sensibilité de non-croyants. Pas du tout. Je... Attendez, alors si j'ai l'impression que vous dites que vous ne savez pas. Non, mais donc, vous dites plein de choses que vous ne savez pas. Non, vous ne posez pas la question. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Vous me dites que vous avez une sensibilité de non-croyance. Vous décidez de ce que vous. Alors si vous ne savez pas, ne dites pas. Ne dites pas, simplement. Dites-moi. Non, je ne suis pas d'abord. Je ne suis pas d'abord non-croyant, mais je suis croyant dans une liberté qui peut s'exprimer. Et je pense que les arts, qui ont beaucoup aidé la religion, et qui sont en train de l'aider en ce moment, parce qu'ils remettent le Christ au centre d'un débat où il avait un peu disparu. Et je pense que ces deux artistes, finalement, redonnent une place au Christ, qui n'avait pas depuis longtemps. Ça veut dire qu'il existe, ça veut dire qu'il pose question. Et ça veut dire, aussi, pardonnez-moi, que vous pouvez lire prenons Télérama, qui est un journal chrétien, qui a montré. Ça dépend. Qui a quand même montré, et d'autres, qu'il y avait une réflexion spirituelle derrière ce spectacle. Prenez le prêtre de Saint-Méry qui l'a dit, prenez un certain nombre de gens. Ils ne sont pas très nombreux quand même. Le cardinal est là pour dire le contraire. Non, il n'a pas dit le contraire. Il a fait un article dans le Parisien extrêmement équilibré. Quand on voit que les gens d'extrême droite sont derrière et que les gens. Ils ne sont pas derrière le cardinal, ils sont là. Derrière. C'est le contraire. Voilà, on va dire un peu.